Mesdames et messieurs, bonjour et bon confort d'écoute. Vous nous recevez sur Radio Sainte-Marie depuis Port-Gentil à Saint-Louis et nous allons recevoir des moments à l'autre. Et pour ceux qui sont en direct sur la Maison Radio de Médias, sur le site Facebook diocèse d'Oyem, vous nous recevez déjà en direct et vous avez en face de vous Monseigneur Eusebius Chinekezi, évêque diocèse de Port-Gentil. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Nous avons choisi cette heure pour pouvoir prier avec vous un moment, dans 5 minutes, à la prière de l'Angélus. Mais avant cette prière, nous voulons célébrer avec vous l'accueil de tous les évêques, de tous les prêtres, de notre conférence épiscopale qui va être réunie ici à Port-Gentil. Monseigneur, alors, cet événement, comment vous l'accueillez? Eh bien, avec joie. Avec joie et action de grâce, parce que accueillir tous les évêques du Gabon, c'est une joie. Et en même temps, avec ce que nous allons faire comme travail, je me dis, Port-Gentil est comme un centre d'un départ. C'est différent parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et je crois que Dieu fera des choses nouvelles à partir de Port-Gentil. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous ceux qui sont venus comme acteurs prendre part à ce que Dieu va faire. Aux évêques qui sont arrivés, et particulièrement au nouvel évêque nommé, Monseigneur Sévirin Zengi, qui nous a rejoints ce matin. Merci à Dieu de les avoir conduits jusqu'ici. Les autres vont arriver peut-être d'ici le soir. Hier, la première délégation est arrivée hier dans la soirée, par bateau. Nous continuons à attendre les autres. Nous allons nous ouvrir à ce que Dieu va nous donner. Nous sommes dans l'attente. Le 6 janvier, à 12h, à l'heure de l'Angélus, le pape François a accepté la démission de Monseigneur Laurent Joseph Corbeur, alors évêque de Makoku, du vicariat de Makoku, et a nommé le père Sévérin Zingui évêque du vicariat de Makoku. C'est l'événement qui réjouit le cœur de Monseigneur Eusebius et qui vient de nous partager cette joie et à qui il souhaite la plus belle, cordiale bienvenue au niveau de la conférence épiscopale et particulièrement au niveau de Port-Gentil. Monseigneur, avec vous, puisqu'il est 12h, nous allons prier. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Daigne Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous continuions avec la grâce de la Vierge Marie et nous ouvrir à la grâce de la résurrection par ce même Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous qui avons recours à vous. Et pour ceux qui n'ont pas recours à vous, surtout pour les ennemis de l'Église et pour toutes les personnes que nous vous recommandons. Que le Seigneur bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Monseigneur, un mot à l'endroit de tous les auditeurs de Radio Sainte-Marie et de toutes nos fréquences catholiques qui vous suivent en ce moment. Alors, c'est de demander à chacun de s'ouvrir à ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu veut faire des choses pour notre pays, pour les familles. Et personne au monde ne peut se dire sans famille. Alors, chacun est invité à participer à cette œuvre que Dieu veut réaliser. Cela est une manière de dire à chacun, tu es convié à la fête. Tu es appelé à t'ouvrir à la grâce de Dieu. Parce que ce que Dieu veut nous donner, il veut le donner à tout le monde, où que tu sois, que ceux qui écoutent cette communication ou ceux qui l'attendront plus tard puissent recevoir aussi leur grâce, parce que Dieu ne va oublier personne. Puisqu'il s'agit de la famille, il s'agit de la famille de Dieu. Et nous pourrons le dire, Église, famille de Dieu au Gabon, célèbre ton jubilé, proclame Jésus-Christ ton Sauveur. Voilà un peu pour ces auditeurs qui nous écoutent. Monseigneur, vous avez prévu un temps de prière avec les auditeurs, une invitation à prier pendant cette célébration de cette conférence épiscopale ici à Port-Gentil. Les invitations à notre Père, je vous salue Marie, pour garder une communion. Alors, il faut avouer qu'il y a déjà eu des temps de préparation, donc des prières, des temps de prière dans les paroisses et tout. Et cette prière va se poursuivre tout au long de cette session. La prière va se poursuivre. Et même après, parce que nous avons pris l'habitude de rendre grâce à Dieu après l'événement, tel que nous l'avons fait pendant une semaine entière, prise pour rendre grâce à Dieu pour l'année Saint-Joseph, pour les grâces que nous avons reçues, les bienfaits du Seigneur tout au long de l'année Saint-Joseph. Nous avons pris une semaine pour célébrer l'action de grâce dans toutes les paroisses.
pendant 7 jours, dans chaque paroisse de Port-Gentil, il y a eu un temps de louange, d'action de grâce, d'adoration et même de témoignage des grâces reçues. Je crois qu'après cette conférence épiscopale, nous prendrons aussi un temps pour continuer à prier pour le bon déroulement de cette session. Chacun là où il est, on ne limite pas la prière. Que ce soit une intention de messe, que ce soit une prière en famille, que ce soit un chapelet, que ce soit une dizaine, que ce soit un je vous salue Marie, tu es appelé à donner ta contribution spirituelle pour la réussite de cette conférence épiscopale selon la volonté de Dieu. Il faut vraiment insister là-dessus, que tout se fasse selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes. Merci Monseigneur, merci pour ce temps de prière avec vous, la prière de l'Angélus, et pour cet échange autour de l'annonce de cette conférence épiscopale qui a lieu ici à Port-Gentil. Vous avez suivi depuis Radio Maria à Ouyem, depuis Radio Sainte-Marie de Libreville, Radio Sainte-Marie de Port-Gentil et sur la Maison Catholique des Médias. Nous vous disons merci sur Catholic TV Gabon et vous souhaitons déjà un bel après-midi et en communion de prière, que toute notre vie chante la louange de Dieu. Toute notre vie nous donne de rendre grâce à Dieu parce qu'elle est un don que nous avons reçu de Dieu. Et nous devons toujours continuer à rendre grâce à Dieu pour la merveille, le don qu'il nous a fait de la vie. Merci, merci Excellence et bon après-midi. Bien, merci à vous. Donc rendez-vous pour discuter sur les enjeux pastoraux de la famille au Gabon, à la lumière des exhortations apostoliques à Maurice Laetitia.